On approche des 10 000 pieds. Tenez-vous prêts. Ça va toujours? Ouais. Il y a une sangle qui me fait mal. Je t'admire, Emma. Je n'étais pas aussi à l'aise pour mon premier saut. Ça va mieux, merci. Tu te souviens bien des consignes? Hey, Jeff, tu as l'air plus inquiet que ta sœur. Allez, les enfants, c'est parti pour le grand saut. Grave, Emma. Reste assise ici. Ne fait pas partie de la fête. Ne t'en fais pas, elle sautera la prochaine fois. Oh, mais qui est ce dingue? Roméo Alpha Kilo 2 à Hydravion, vous êtes fou ou quoi? Présentez-vous. Fou? C'est comme ça qu'on accueille les vieux amis? Désolé. Complètement givré conviendrait mieux. On se retrouve en bas, vieux. Tu le connais? Plutôt, oui. Ne t'en fais pas. Tu sauteras la prochaine fois. Salut, Mike. Ça fait un bout de temps. Dan, vieille fripouille. Max, alors, toujours entre les moteurs et les casseroles? Toujours, mais je ne confonds plus l'huile d'olive avec l'huile de vidange. Voici Emma, notre responsable tour de contrôle et météo. Enchantée. Et Parachute, responsable bêtises et catastrophes. Oh, oh, lourde responsabilité. Voilà Alex, Jeff et Tina qui nous tombent du ciel. Hé, les As, je vous présente Mike, un vieux copain d'armée. Salut! Un petit thé glacé, ça te dit? Bah, tu sais très bien que j'ai horreur de ça. Je suis une trouillarde, une dégonflée. Je t'interdis de penser ça. Ce n'est pas facile de sauter, nous le savons tous. C'est vrai. La première fois, je me serais dégonflée aussi si on ne m'avait pas poussée. Je n'ai aucune excuse. J'aurais dû sauter, c'est tout. Tu verras, Parachute. Je saurai bien leur prouver ce que je vaux. Toi, tu le sais que je peux être courageuse, hein? Il vous suffit simplement de récupérer un CD-ROM auprès d'un de mes agents et de me le livrer. Nous sommes des mercenaires, pas des livreurs. C'est bien pour cela que je fais appel à vous. Je sais qu'une mission, paraissant simple, peut mal tourner. Et dans ce cas, il faut des mercenaires vifs et qualifiés, comme vous l'êtes. Ouais, il a raison. Ça, c'est bien nous.
Ce n'est pas en nous flattant que vous arriverez à nous convaincre. Donnez-nous une bonne raison d'accepter. 30 000. Est-ce une raison suffisante? Marché conclu. Où faut-il réceptionner la Camelotte? Au beau milieu d'un lac. Parachute! Viens ici! Il est trop tard pour se baigner. Je ne veux prendre aucun risque. Je me suis suffisamment exposé en dérobant ces documents. Allons, Monsieur Cromwell. Je suis sûr que vos supérieurs ne soupçonnent pas vos activités parallèles. J'ai pris de mon côté toutes les précautions. Je vous garantis que la livraison de demain matin se passera très bien. Je ne peux que vous faire confiance. Dis-moi, Dan, tu as confiance en Mike? Bien sûr. Pourquoi cette question? Je viens de surprendre une communication douteuse. Une affaire d'espionnage. Mike doit livrer des documents secrets demain matin. Mike, un espion? Il n'y a pas plus intègre que lui. Je ne veux prendre aucun risque. Je me suis suffisamment exposée en dérobant ces documents. Ce sont ses propres mots. C'est vrai que ça peut paraître douteux. Tu as du mal à entendre. C'est impossible. Peter et lui ont toujours fait la chasse aux espions. Qui est Peter? Nous formions un trio inséparable. Peter est mort à la guerre. Delta Alpha November à Victor Sierra X-Ray, à vous. Victor Sierra X-Ray, c'est gentil de m'escorter. À vous. Je sais que vous détenez le lieutenant Peter Wallace. Posez-vous sur la base militaire de Stanford, c'est un ordre. Négatif. Vous n'êtes pas en position de discuter. Qu'allez-vous faire? Descendre mon avion avec votre ami à bord? Écartez-vous. Je ne veux voir aucun appareil militaire dans les parages. Oh! Aidez-le! Aidez-le! Non! Peter! Je suis désolée, Dan. Tu sais, Parachute, même si Mike est l'ami de Dan, j'ai l'intuition qu'il joue un double jeu. J'ai décidé de tirer ça au clair. Et Jeff sera fier de moi. Vous n'avez pas vu Emma et Parachute? Ils ne sont ni dans la chambre, ni dans la tour. Mike n'est pas là non plus? Son hydravion ne t'a pas réveillé? Il est parti très tôt ce matin. J'espère qu'Emma n'est pas partie avec lui. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'Emma ferait avec Mike? Hier, elle a surpris Mike qui parlait à un inconnu sur la radio de son hydravion. Il était question d'une livraison de documents militaires secrets. Mike? Un espion? J'ai aussi du mal à le croire, mais Emma paraissait convaincue. Ça ne m'étonnerait pas d'elle. Hier, elle refuse de sauter. Aujourd'hui, elle veut prouver son courage. Dans quel pétrin s'est-elle fourrée? Jeff, ce n'est qu'une supposition. Et de toute façon, comment l'aurait-elle suivi? C'est juste. La seule chose que l'on puisse faire pour le moment, c'est de ratisser les environs. Elle est peut-être simplement partie faire un tour. Je vais préparer les quads. Je préfère que tu restes dans la tour, au cas où il y a un appel. Que les choses soient claires, je n'aime pas les traîtres. Ah oui? C'est vrai que toi, tu es sûrement l'honnêteté même. Les documents. Hé, il n'y a rien là-dessus. Erreur. C'est plein d'informations. Mais il manque les codes d'accès. Le CD est au prix convenu. Pour les codes, c'est 25 000 de plus. C'était pas convenu, ça. Moi, je traite avec l'alpagueur. C'était pas non plus convenu que je sois accueilli par trois guignols. Nous ne prenons aucune décision. Il faut passer un coup de fil. J'ai tout mon temps.
pour avoir un petit café. Et puis quoi encore? Tu ne veux pas hausser un bamoussin? J'ai un thermos dans l'avion. Emma à Academy Tour. Emma à Academy Tour. Emma? Mais où es-tu? J'ai suivi Mike. Il a donné un CD-ROM au Barracuda. Tu vas te cacher et on va venir te chercher. Donne-moi ta position sur le GPS. D'accord, c'est... Emma? Emma? Qu'est-ce qui t'arrive? T'inquiète pas, mon bonhomme. Elle va juste faire un tour avec tonton Boris. Laissez-la! Laissez-la! Non, monsieur, sans les codes, impossible de lire le CD. Bon, j'arrive. Bon, il arrive. Mike Cromwell, quelle joie de vous rencontrer. Et moi donc? Ainsi voilà le fameux Alpagueur. Fameux et généreux. Si vos informations le méritent réellement, vous aurez vos 25 000 supplémentaires. À la place du thermos, j'ai trouvé cette petite fouineuse dans l'hydravion de notre ami. Elle allait donner notre position à ses copains d'Air Academy. Eh bien, monsieur Cromwell, j'attends vos explications. Il n'y a aucun piège. Je suis passé dire bonjour à Dan Rupert, mais il ne sait rien de mes activités. Cette petite a dû me suivre. Tiens, Dan Rupert. C'est assez amusant de croiser une nouvelle fois sa route. Et qu'est-ce qui nous prouve que tu dis vrai? Si j'avais voulu tendre un piège, je me serais associé à quelqu'un de plus persuasif que cette fillette. De plus, ses amis connaîtraient déjà votre position. Je ne suis pas une fillette. Et Dan va venir vous casser la figure. Je pense que notre ami dit vrai. Cette jeune femme n'a pas l'air bien dangereuse. Parfait. Je suis prêt à vous donner les codes. Parachute? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Emma, où est Emma? C'est inutile, il ne nous apprendra rien. Il cherche aussi Emma. Il n'en sait pas plus que nous. Attendez, un ours! Tu t'es fait attaquer par un ours? Emma? C'est Emma qui s'est fait attaquer? L'œil. L'ours a vu Emma? Un ours blessé à l'œil? Un œil. L'œil. L'œil en plastique. Un œil de verre. L'œil dans l'eau? L'eau... un lac? Bien sûr, Mike a un hydravion. Un œil dans un lac? L'œil de l'ours. Le lac de l'œil de l'ours. Le lac de l'œil de l'ours. C'est bien ça, Parachute. C'est sûrement Lac et Emma. Oh, Parachute, tu es merveilleux. Tout le monde en tenue. Jeff et Tina, vous prenez chacun un avion. Alex, tu viens avec moi dans l'hélico. Max, tu restes à l'écoute dans la tour. Dan a tous les appareils. Le lac en visuel au cap 1, 2, 5. Mais qu'est-ce que c'est que cette baraque? Je ne l'ai jamais remarqué. Dan Rupert à Mary Bones, à vous. Je te reçois, Dan. Qu'est-ce qui se passe? À vous. On a besoin de renfort au point 53-6-118-5, à vous. Bien reçu, j'envoie une patrouille, terminé. Et enfin, X-307-MTU. Vous avez bien mérité votre argent, monsieur Cromwell. Oh! Air Academy! Je savais qu'il avait préparé un coup fourré. Je n'ai rien préparé du tout. Je ne comprends pas. On réglera ça plus tard. Pour le moment, il faut filer.
Non, Monsieur Cromwell. Vous, vous restez avec moi. Je pensais qu'il fallait filer. C'est bien ce que nous allons faire. Tina, Jeff, occupez-vous des barracudas. Je me charge du dirigeable. Bien reçu, Dan. Regarde bien ça, Boris. Elle va bientôt avoir la peur de sa vie. Mais cette fois, je ne vous laisserai pas filer. Votre peau de ruche, ça peut facilement se percer. Et une jeune fille, ça peut facilement tomber, tout comme Peter Wallace. Emma ! Dites-leur de s'éloigner. Je ne plaisante pas. Dan, c'est Mike. Toi, je te conseille de veiller à ce qu'il n'arrive rien à Emma. Écoute, je n'ai pas le temps de me justifier. Je te supplie de me faire confiance. Éloigne-toi et j'arrange tout. Tu me prends pour un idiot ? Ça fait des années que je cherche à coincer l'alpagueur et à venger Peter. En son nom, fais-moi confiance. D'accord, Mike. Dan, tu lui fais confiance? Mais on ne peut pas abandonner Emma. On ne l'abandonne pas. Si nous voulons sauver ta sœur, tu dois faire confiance à Mike. C'est pour le moment notre seule option. Je te supplie de me croire. Mike, il est parti par là. Tina, tu peux tenter quelque chose pour aider Mike? On va essayer. Thank you.
Alex, prends les commandes et rapproche-toi au maximum du dirigeable. Qu'est-ce que tu comptes faire? De l'acrobatie. Les bois ne sont pas sûrs pour une personne seule. Vous feriez mieux de nous suivre. Non ! Oh, Dan, c'était génial ! Personnellement, je préfère quand on a chacun un parachute. Et ce jour-là, l'Alpagueur a réussi à filer. Cela fait 7 ans maintenant. Après, je suis passé en conseil de discipline. J'avais transgressé un ordre en suivant l'Alpagueur et mes supérieurs n'ont pas apprécié. Après le conseil de discipline, j'ai donné ma démission. Et tu as fondé Air Academy. Oui, maintenant c'est moi le supérieur. Et gare aux têtes de mule. Et toi, Mike, tu as continué à rechercher l'Alpagueur? Oui, j'ai infiltré des réseaux d'espionnage pour le coincer. J'ai mis 7 ans, mais j'y suis arrivé. Grâce à vous tous. Pas vraiment. J'ai bien failli tout faire rater. La prochaine fois, je me mêlerai de mes affaires. Tu as été très courageuse, Emma. Je suis fière de toi. Il y a quand même une question qui me hante. Que contenait le CD-ROM? Les vrais plans d'un vrai fusil laser révolutionnaire sur lequel l'armée a travaillé récemment. Quoi? Et tu l'as livré à l'Alpagueur? Mais pourquoi? Eh bien, il aurait eu une petite surprise. Ce fusil marche si bien que lorsqu'on s'en sert, le métal monte à 3000 degrés avant de fondre. Ha 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 ha